le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh, yo, yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, vanité de vanité, tout est vanité. Le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Oui, tu perturbes, madame. C'est ce que tu fais. Chaque fois que je passe mieux avec Alex dans cette maison, la colère te possède. Kwamo, avertis ta femme des provocations qu'elle orchestre à mon endroit. Suis-je un enfant pour qu'on m'avertisse? Je pense qu'ici, Alex... Est-ce que vous allez imprimer dans vos boîtes crâniennes que mon métier de réalisateur cinématographique exige le calme absolu? Mais pourquoi vous êtes tout le temps en train de balancer les ondes négatives sur ma concentration avec vos querelles? Je vous interdis formellement de bruit dorénavant dans cette maison. Je ne peux condamner tout le monde. C'est Simone. Tais-toi, madame. Je ne pourrais me taire. J'ai droit à la parole. Droit à quelle parole? Dans quel but? Pour déstabiliser la maisonnée? Pour troubler les enfants qui se préparent pour l'école? Je sais que tout ce qui est mauvais dans cette maison, c'est toujours moi. Je ne peux que supporter Simone. Un jour, nous aurons la finalité. Finalité ou pas, madame, je demande le calme dans cette maison. Que chacun va à ses occupations. Que ça saute! Bon sang, on dirait que je suis le seul polygame dans cette ville. Mon grand-père avait 12 femmes. Et mon père avait sa petite plantation, en avait eu 15. Moi, avec toute la fortune dont je suis dépositaire, je n'ai que vous deux. Mais vous vous arrangez à faire de moi un bourgeois mécontent. J'ai de l'argent, mais je ne suis pas content à cause de mes femmes. J'ai l'impression de vivre un enfer dans cette maison. Regardez là où un industriel, un bourgeois de mon état, a passé la nuit. Pour ne pas tirer de long en large, il faut que chacune de vous me dise ce qui ne va pas dans cette maison. Je n'ai aucun problème.
Sauf que nous étions sur le point de célébrer le succès qu'a connu l'entreprise. Mais à ma grande surprise, tu nous as abandonnés sans explication. Mon chéri, c'est à toi de m'expliquer quelle est la cause et le but de ce boycott. Avant que je ne te réponde, j'aimerais que Yvonne s'exprime d'abord. Pour moi, je n'ai aucun problème. Pourquoi tu me regardes et tu ris? En quoi est-ce que mon sourire t'empêche? Un peu de tenue, s'il vous plaît. Nous sommes dans un dialogue pacifique. Ce n'est pas le moment des disputes. Yvonne, continue. J'ai eu un malaise. Et j'ai compris que je ne pouvais pas assister au cocktail familial. Un malaise, tu dis? De quelle nature? On va en parler, toi et moi. Justement, c'est pour répondre à Mirabelle. Quand Yvonne est partie, je l'ai suivie pour savoir ce qui n'allait pas. Malheureusement, elle ne m'a dit ni mot, ni me donner un iota de réponse. Ah bon? Et comme tu n'as reçu d'elle ni mot, ni iota, il a fallu donc abandonner toute la table. Et surtout, que c'est Mirabelle qui était de service. Je comprends. Inutile de continuer cette discussion. Ma chérie, pourquoi tu te comportais ainsi? Mon chéri, laisse-la partir. Ne la supplie pas. C'est un manque de respect. Attends, je vais te faire le thé de Ndok. Tu as compris? Ça va te mettre à l'aise. Oui, allô? Oui, comment tu vas, mon petit? Ah. Tu étais en mission dans les îles d'Hawaï? Oh, ça, c'est très bien. Elle se porte comme un chat. Ok, d'accord. À toi autant, mon frère. Chéri, qui était-ce? C'était ce phare au téléphone. Ah bon? Oui. Il dit qu'il était en mission dans les îles d'Hawaï. C'est pour cette raison qu'il n'est pas passé ici depuis. Ok, cela suppose que votre réunion familiale se tiendra dans un bref délai. Oh, bien évidemment. Tu sais, c'est à cause de ce phare qu'elle a avorté. Bébé, tu n'as pas de soucis à te faire. Nous allons pouvoir gérer ça de manière à ne gêner personne. Écoute, le temps presse, je dois partir. Dieu a créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Madame, je vais te dire quelque chose. N'ose plus jamais te mixer dans mes affaires. Yvonne, je ne suis pas ton enfant. En plus, tu m'as trouvée dans cette maison. Et cela te donne le droit de te moquer de mes propos? Tu n'as aucune preuve que je me suis moquée de toi. Si, je l'ai. Prouve-le donc. Prouver à qui? Et pourquoi? Espèce de vestige. Et toi, espèce de récupéré. Regarde-moi bien.
J'ai toujours été celle que Mathias a préférée auprès de lui. Et même dans la famille élargie, comme dans cette maison, je suis la préférée. Tu me fais pitié. Oui, Mutunde. J'espère que je ne t'importune pas. Ah, ok. Alors, juste pour te dire que nous sommes en route, mon épouse et moi, comme nous avons convenu hier soir. Oui, tu sais, tu as toujours été un fils digne. Et tu fais ma joie. Ok. D'accord. On dit donc à tout à l'heure. Oui, allô, Gaston. Oui, commencez par faire les prises de vue de la nature. J'ai compris une chose très importante dans le cinéma camerounais. C'est qu'il faut l'enrichir du décor naturel. Oui, c'est ça. Je serai là dans 30 minutes. Ok, à tout à l'heure. Ma chérie, qu'est-ce que tu viens faire jusqu'ici? Je suis venue te voir et c'est indispensable. Tu es très séduisante dans ta tenue. Merci chérie. Merci mon cœur. Dis-moi, de quoi s'agit-il? Je me suis rendu compte que mon comportement de ce matin n'était pas responsable. Je n'ai aucune intention de te mettre mal à l'aise. Mais pourquoi tu te comportes ainsi? Alex, c'est le cœur qui brûle. Ça ne devrait pas. Nous sommes dans un régime polygamique, Henriette. Ce n'est pas la farce. C'est la réalité. Pardonne-moi pour mon manque de maîtrise. Je ferai les efforts de m'adapter. S'il te plaît. Si je suis arrivée chez toi, c'est pour te soutenir et non te fragiliser. Bon, si tu le dis, tu es pardonnée. Merci chérie. Pour le nouveau chantier, nous devons le lancer dès demain. Ah bon? Oui, Alex. J'ai pris ma tontine. Mais c'est génial, chérie. C'est génial. Les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Mutunde, mon fils, oui, papa. Comment vas-tu? Très bien. Par la grâce de Dieu, je suis comblé de santé, de succès et surtout de paix intérieure. L'aura qui se dégage dans ton bureau atteste que tu osasses. Ah. Alors, mon fils, je te présente Loris Manga, ma nouvelle épouse. Et par conséquent, ta nouvelle mère. Enchanté. Moi de même. Lui, c'est Mutunde Asiante Diop, mon premier fils. Son cadet, Ndoumbé Pondo Manga, fait ses études supérieures en pétrochimie à Yaoundé. Madame Loris épouse Manga. Un séjour agréable vous est vivement souhaité dans la famille Manga. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous les deux une vivacité illimitée. Merci bien. Bien, nous allons faire le tour de l'entreprise.
Est-ce que ça vous arrange? Affirmatif. Alors, allons-y. Comment as-tu conçu l'idée de tendre ma guérite par rapport à ta situation matrimoniale? Prends une seconde épouse. Tendre ma guérite joue à la comédie. Eh bien, monsieur pense que c'est de la comédie? Bien sûr, Tefa. Comment avec l'éducation occidentale que j'ai reçue, elle peut s'imaginer que je vais prendre une seconde épouse? Avec tant de récits au sujet de la polygamie, on demande de prendre une autre femme. C'est pas possible. Ce serait de la pure rétrograde de ma part. Pour ma part, tu aurais pu laisser le temps à tout le monde de justifier sa proposition. Tu vois, il y a de cela 20 ans, la tante ne fait qu'insister et papa en fait autant. Edwige est celle dont mon cœur a choisi. Avec ou sans enfant, je l'aime. Je sais. Mais tu sais, le problème c'est... Tu vois un peu. Le manque d'enfants entre... Tu vois un peu? Sophar, tu sais très bien que ce sujet est sensible. Et j'aime pas en parler. Grand frère, je voulais pas te vexer. S'il te plaît. Je dois partir. Bonne journée. Ma chérie, cette bière va sûrement t'intéresser. Merci. Mmh. Elle est vraiment délicieuse, chérie. Surtout qu'elle est moins alcoolisée. Je la partage très souvent avec les personnes qui me sont aussi chères. Je te suis donc si chère, chérie.
Mais tu l'es. Depuis la mort de Rose Manga, je n'ai plus l'intention d'aimer une autre femme. Même une amie. Jusqu'au jour où je t'ai rencontré et tout a basculé dans ma tête. C'est ça le mystère de la vie. Elle est vraiment mystérieuse, la vie. Chérie, nous sommes dans la même situation. Je m'étais promis de ne plus jamais aimer quelqu'un d'autre après la mort de mon époux. Mais à présent, je suis là, entièrement à toi. Et j'ai carrément oublié le passé. Nous devons absolument oublier. Sinon, nous précipitons notre mort. Tu sais, chérie, s'il y a quelque chose de spécial en toi, c'est ton génie créateur. Je t'assure, j'ai été éblouie ce matin quand on a fait la visite de l'entreprise. Je t'aime tellement, tu sais. Moi aussi. Oui, je t'aime tellement. Considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour par la guerre des biens. Pour la guerre des biens. Oh yo yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pour la guerre des biens, oh, yo, yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo! Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, vanité de vanité, tout est vanité. Pour la guerre des biens, oh, yo, yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, vanité.